Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Ces deux clématites, ce sont deux nouvelles obtentions. Green à fleurs jaunes, Green Passion, et Red Passion à fleurs rouges framboises. Ce sont deux variétés à fleurs doubles où on a vraiment un pompon rouge et vert. Ce sont des variétés compactes, 1,50 m, 1,80 m, donc idéales pour mettre dans un bac sur balcon ou terrasse, ou à planter à côté de la porte d'entrée, sur un treillage ou dans un rosier grimpant, comme ça elles fleuriront juste à hauteur des yeux. Alors chez les clématites, il y a beaucoup de couleurs différentes, et c'est vrai que obtenir une fleur double comme ça, verte rayée, non, franchement, c'est pas courant, c'est vraiment exceptionnel, surtout que on a un feuillage qui est parfaitement sain. La plante se transforme pour donner ce bouquet de fleurs comme ça, vert, et elle reste parfaitement bien derrière. Ah, c'est complètement déco-maison, c'est simplement du saule qu'on a mis dans les pots, qu'on a planté. J'avais pensé au saule parce que ça peut se raciner derrière pour faire un décor vivant plutôt qu'un décor mort. Et le diamètre, il est relativement fin, la clématite peut s'accrocher facilement dedans pour grimper. Toutes les clématites sont adaptées pour pousser dans d'autres plantes puisque c'est leur utilisation naturelle dans les forêts par exemple. Donc oui, bien sûr, vous pouvez planter d'autres plantes avec les clématites, soit des plantes qui sont de la même hauteur et vous faites pousser la clématite qui va se marier dans son support, ou alors en couvre-sol, des vivaces qui tapisseront le pot, et comme ça, ça évitera que l'humidité, la fraîcheur du pot ne s'évapore avec le soleil. Donc, soit vous mettez un paillage au pied, ou alors effectivement, vous plantez un couvre-sol sur le pied du pot.